abonner! Wouh! Référence aux plus vieux qui me suivent. Probablement que vous vous en rappelez. Wouh! Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Et je crois que pour fêter ça, je vais taper 100 000 fois sur le cul du cheval. Let's go! Et la dernière. Et regardez ça. C'est pas bon ça? Ça serait encore mieux s'il serait pas en papier. Je sais pas si vous y avez cru sur la vignette de la vidéo, hein? Je me suis fait ça sur Photoshop. C'est quand même nice, je veux dire. Tout est là, hein, YouTube, c'est là, c'est une copie parfaite du vrai bouton d'argent quand tu dépasses les 100 000 abonnés. C'est complètement génial. Et honnêtement, je crois que d'ici à ce que je reçoive le vrai, parce qu'il paraît que c'est quand même long, je sais pas, hein, c'est la première fois, je vais peut-être l'accrocher au décor, hein? Je veux dire, ça paraît pas. Attends, il se plie pas évidemment, là. Je veux dire, je crois que ça le fait bien. Ça le fait bien, ça fait une belle décoration. Et en fait, je me demande même si le vrai, je vais l'accrocher à l'arrière, parce que c'est un décor, en fait, qui est fait en... c'est juste un paravent. Donc, s'il fallait qu'il tombe et que le cadre se brise, holy fuck! Non, ça serait de la merde. Tandis qu'avec une feuille de papier, il n'y a pas de problème. Il me suffirait d'un petit carton à l'arrière, hein, pour retenir le tout, pour éviter que la feuille finisse en rond, hein? Un peu de nostalgie. La première vidéo de YouTube que j'ai postée s'est faite le 1er mars 2014. Et je dois dire que ma chaîne a beaucoup évolué depuis le temps. Regardez ça. Salut tout le monde, ici Steelers. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis... J'aurais dû me faire un épée. Ok. Merde. Pardon. C'était plus fort que moi. Désolé pour ceux que ça a écœuré, mais c'était nécessaire. Ça m'a pris plus d'un an pour atteindre les 1000 premiers abonnés et je sortais quand même environ 5 vidéos par semaine. Ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. J'avais confiance. Ça s'est même déjà arrêté. C'est même déjà parti du reculon. Je perdais des abonnés. C'était vraiment décourageant. On s'accroche, on continue, on écoute nos vidéos, on essaie de voir qu'est-ce qu'on fait de pas correct, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et à un moment donné, la machine repart, elle continue. Et on s'encourage et on devient de mieux en mieux, on s'améliore. En lisant vos commentaires, on apprend aussi sur soi-même et on peut s'améliorer comme ça. Le 22 avril 2015, j'avais atteint les 5000 abonnés. Ensuite, le 25 mai 2015, j'avais atteint les 10 000 abonnés. Ensuite, le 12 septembre 2015, j'avais atteint les 50 000 abonnés. Et le 7 février 2016, j'ai atteint les 100 000 abonnés. Wouh! Yes! Ah, c'est tellement incroyable! Bordel! On a fait ça ensemble, on s'est rendu. Ça demande tellement de persévérance, surtout pour une chaîne de gaming. Probablement, si j'aurais eu une idée originale, quelque chose qui n'a pas été fait sur YouTube, ça aurait pu décoller beaucoup plus vite. Mais c'est pas tant la vitesse, honnêtement. On l'a atteint, c'est ça qui est important. J'ai réussi à me construire une communauté. On est là tous ensemble et c'est incroyable. Ça me permet aujourd'hui de faire ce que j'aime réellement. C'est juste hallucinant. Je l'ai toujours dit, en fait, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez aller voir les Steel Time, par exemple, mais c'est vraiment une grosse histoire derrière tout ça qui en est venu au fait que, en me cherchant en général, je me suis rendu compte que YouTube était une nouvelle plateforme, quelque chose qui était arrivé, on dirait pour moi, en fait. Je suis quelqu'un qui est très, très autodidacte et qui apprend énormément par lui-même. Il connaît beaucoup de choses sur plein de trucs, sur...
sur les jeux, sur les logiciels, le montage, photo, vidéo, 3D, animation. Je cherche un paquet de trucs. J'ai fait tellement de trucs pendant plein d'années. Ça fait au-dessus de, je vous dirais, une bonne quinzaine d'années, honnêtement, que je m'amuse avec toutes sortes de logiciels et toutes sortes de trucs. Et aujourd'hui, bah, tout ça, c'est un bagage qui m'a permis de me lancer sur YouTube. Et ça m'apporte. Ça, j'en suis venu à quelque chose. J'ai accompli enfin quelque chose. Et ça n'a pas de prix, ça me rend rempli de bonheur. Même ma famille, les gens autour de moi me le disent. T'as tellement l'air heureux, t'as tellement l'air bien, ça fait du bien de te voir comme ça. Et c'est hallucinant ce que ça me fait à l'intérieur, c'est tellement... C'est une joie de vivre, c'est un nouveau, c'est comme quelqu'un qui a réussi à rentrer dans un plan de carrière que ça fait si longtemps qu'il travaille ou qu'il étudie. Sauf que moi, c'était pas à l'école. Je l'ai appris par moi-même. Et tu sais jamais où ça va t'amener. Tu comprends? À l'école, des fois, tu vas dire « Ok, c'est ça que je veux faire dans la vie. Ça va t'amener, là. T'es heureux quand tu y arrives. » Sauf que moi, ça allait partout. Ça allait à gauche, à droite. C'était mélangé. Ça devenait embrouillé dans mon cerveau, parfois, de me dire « Mais bordel, où je vais avec tout ça? » Et bam! Ça arrive. Et ça fonctionne, c'est incroyable, ça n'a pas de prix, je vous en remercierai jamais, jamais assez. Merci, merci, merci à vous tous, merci à tous ceux qui partagent les vidéos, qui les like, qui s'abonnent, qui fait juste les écouter, même si vous n'êtes pas abonné, peu importe, juste le fait que vous visionnez les vidéos et que vous les aimez, par exemple, ça peut vous faire du bien, ça peut vous faire rire, si vous aimez ça, ben, ça fait juste commencer. C'est hallucinant. Merci. Maintenant, vous allez me dire, Steve, est-ce que tu as prévu quelque chose pour les 100 000 abonnés? En réalité, oui! Mais pas tout de suite, mais très, très, très bientôt. D'accord? Je vous avais promis, en fait, ça fait pratiquement depuis le début de ma chaîne, beaucoup de gens me posent la question. Comment je me suis coupé le doigt? Non, ce n'est pas un fake pour ceux qui écoutent cette vidéo pour la première fois. Oui, j'ai un doigt coupé. Oui, c'est un mystère qui plane sur ma chaîne. Et je crois que le mystère va rester encore un bon moment. Et je vous avais promis que j'allais plutôt faire des courts-métrages. Profiter du fait que j'ai un doigt coupé. Profiter du fait qu'il y a un mystère sur ma chaîne. Et en faire des vidéos, des capsules, des courts-métrages qui vont mettre dans des situations loufoques, drôles ou réelles. De comment j'aurais peut-être pu me couper le doigt. Et je vous ai même fait participer. Et ça, honnêtement, je crois que ça va être génial. C'est une idée incroyable de pouvoir lancer ça en production et de m'amuser avec ça. J'ai rencontré la boîte de production. On a parlé, on a des idées. Je suis en cours d'écriture. Et le tournage va se faire en début mars. Donc vraiment en début mars. Nous allons tourner 3 capsules, je dis 4 parce qu'à l'origine, il y en a 4, d'accord? Mais il y en a une qui a été retirée, qui va être faite plus tard, parce qu'on va faire une journée de tournage d'environ 14 heures pour 3 capsules. Les capsules vont durer à peu près 2 minutes chaque. Ça vous donne une petite idée du travail que ça va nous demander, hein? 14 heures de tournage non-stop pour 3 capsules d'à peu près 2 minutes. C'est incroyable, donc on est vraiment avec une équipe de production professionnelle. Je crois que ça va être hallucinant. Ça va me permettre de vous sortir quelque chose de nouveau, de rafraîchissant sur ma chaîne. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va être partagé. Et si ça fonctionne bien, il va en avoir et on va continuer et on ne sait pas du tout là où est-ce que ça va se rendre, mais je crois que ça va être incroyable. Alors sur ce, mes amis, je vous dis merci 100 000 fois et plus, et même des millions et des millions de fois, merci, je vous aime du plus profond de mon cœur. Non, j'allais pas dire cul, hein, d'accord? Non! Ne distorsionnez pas la réalité, bordel! De mon cœur, j'ai dit. Cœur. Vous êtes tous ancrés dans mon cœur. Je vous aime, putain, je vous aime! Allez voir tous mes vidéos. J'en ai au-dessus de 500 présentement en ligne, donc n'hésitez pas à aller revoir des classiques, n'importe quoi, peut-être des découvertes. Il y a toujours plein de trucs. Il y en a que je me suis éclaté. Bref, choisissez, écoutez, amusez-vous, partagez, aimez, riez. Et merci beaucoup encore. Merci pour tout ça. Je dirai jamais assez merci. Hein? Voilà. Est-ce que je suis content? Est-ce que ça paraît que je suis content? Ouais, putain, je suis content, bordel!
Et merci beaucoup à ceux qui me soutiennent aussi sur Patreon. Ça fait vraiment plaisir. Donc, likez si vous avez aimé, partagez, regardez dans la description, Facebook, Twitter, suivez-moi, allez visiter mon site web, le www.steelers.com, et nous, on se revoit dans tout plein de prochaines vidéos. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!